Salut à tous, c'est Digoar, on se retrouve pour la suite de ce let's play de Half-Life 2, partie... Oh putain... Scénardé... 30... 37... Merde... Non... C'est bon, oh putain, je crame... Bon, c'est bon. On amorce un peu, mais ça va. Ok, on pouvait le flinguer, mais j'étais à peu près. Oh putain, c'est impossible. On va retenter. Donc, non mais vas-y toi, gros con. Allez, allez-y. Allez-y, allez-y. Oh putain, c'est le bordel. Je crois qu'on est bon, hop. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Ça sonne comme un train. Ouais, c'est définitivement un train. Ouais. Allez-y, mais qu'est-ce qu'ils attendent? Oh putain, tirez-vous de là. C'est bon. Hop. Encore un peu de vie et d'armure, super. Voilà. Voilà. Ah, l'armure encore. On pourra se recharger à fond. Hop. Voilà. On va descendre. Se faire mal un petit peu, mais c'est pas grave. Non, ça va. Oh, il y a du monde là. Oula, on sera défoncé. Ça, c'est beau, ça. Donc, je vais se tourner vers moi. Ça, c'est moins beau. Hop, 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 hop. Oh putain, c'est un poteau qui m'a empêché de reculer. On peut pas y arriver. Trêve, pour aller. Ok, il détruit carrément les poteaux. Les piliers plutôt. Les piliers, hop. Oh, apprécié ça, apprécié. Ce pony a plus dur que sa tête. Dernière cartouche, ça aura pas suffi. Bon, je me dégaine. Hop. Merde. Oh putain, foiré. C'est bon. Enfin. Donc. Où est-ce qu'on en était? Là, y'a rien. On continue par là. Peut-être qu'on va retrouver l'aide de nos Antlions. Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut passer par là? Non. Non, alors ça doit être par... par où? Par là. Non, là, on en vient. Par là, sans doute. Ouais. Hop. Voilà. Alors, où est-ce qu'on est? On retrouve un peu de l'air frais. Oh putain, de l'air frais et des zombies frais. Ok. On est dans la ville à nouveau, hop. Mais merde, je sentais que j'allais me faire cramer. Hop. Tiens, soit on va d'abord aller au fond. Oula.
Vraiment, ça se... J'arrive pas à avancer si ça va. Ces trucs sont faits pour broyer. C'est pas... Oh putain. D'ailleurs, ça commence à broyer. On va tirer de là. Et en vitesse. Et en vitesse. Voilà. Oh merde. Putain de crabe de merde. Bon, comment on fait? C'est par là? Ouais. Hop, petit temps de chargement. On va retrouver le crabe. Enfin, je sais pas s'il a survécu ou pas au chargement. Je pense que... Ouais. Entanglement, entanglement. Qui s'appelle ce chapitre. Je suis pas sûr de ce que ça veut dire, donc je vous dis rien. Hop. Ah. Alix et le train dont je vous parlais tout à l'heure. Comment on monte? Donc on va pas être loin de la prison à mon avis. Comment est-ce que je fais? Ah ouais, d'accord, elle arrive. Ah, on y est. On est dans la prison. Odesian y est très bleuté sur les murs. On voit des espèces de... comment on peut appeler ça? Des pods. Je sais pas trop comment appeler ça. Comme on en voit dans Matrix, je sais plus lequel. Si, bah dans le premier Matrix même. Attendez. Non, dans le deuxième. Attendez. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas vu Matrix. Est-ce qu'ils sortent la Matrix dans le premier? Est-ce qu'ils sortent? Oui, ils sortent la Matrix dans le premier, oui, bien sûr. Donc, ouais, c'est un peu comme on voit dans Matrix, le premier. Donc, là. Parce que Matrix, je l'ai vu assez jeune relativement. J'ai pas vu depuis assez longtemps. Une fois que je le revois, ils avaient des espèces de cellules comme ça de conservation des humains. Enfin bon, je vous raconte pas, hein, si jamais vous l'avez pas vu, je vais pas vous spoiler. Oh my god, these poor people. Ah. All right, I think I can bring him in. Il y avait un épisode de Stargate aussi, on voyait un peu des gens conservés dans des trucs comme ça. There. He's on the way. Let's go meet him. L'épisode, je sais plus comment il s'appelait, hein, il y en a tellement de Stargate, il y en a 214. Stargate SG-1. C'était l'épisode où c'était sur notre planète. Dans un bunker souterrain, ils avaient un dilemme s'ils devaient aider ou pas un peuple qui était en guerre avec un autre sur une planète. Ils voulaient pas, évidemment pas interférer, mais il y avait de quoi. Il y avait des technologies en retour, donc c'était un dilemme. Donc, je ne dirais pas quand l'épisode se termine. Un épisode assez intéressant. Hop. Ouais, et il y avait donc. C'était le peuple qui était dans le bunker sous terre, c'était parce que la surface était empoisonnée. Ils avaient donc sauvegardé tout leur... des milliers de personnes dans des pods comme ça, sous terre. Enfin bon, c'est pas une idée qui est complètement unique, de sauvegarder des tas de gens dans des pods comme ça. Où est-ce qu'il est passé, Alix? J'ai perdu mon chemin. C'était par où? Mais je suis par où venu, par où là? À force de parler, j'en perds mes repères. Ah d'accord, par là. Je vois qu'on en est à quasiment 10 minutes, donc c'était Diguar, et je vous dis à la prochaine. Ciao.